il a quelque chose. Bah, c'est ma femme, elle est en train de s'étouffer avec un bout de poulet. D'accord. Et vous voulez récupérer le bout de poulet? Oui, mais c'est surtout pour ma femme, c'est son bout de poulet. Moi, je m'en fous, j'ai pris du thon. D'accord. Je peux pas faire grand-chose, moi. Je suis assez bas de gamme comme super-héros. Bas de gamme. Le plus bas de gamme des super-héros. Je ne vois qu'une solution. Il faut appeler Super Appel les flics. Salut bas de gamme. Salut Super Appel les flics. Didier, Super Appel les flics, Super Appel les flics Didier. Enchanté, bonjour. Les flics, ils peuvent plus rien faire pour elle. Hein. Pas la peine de faire le 12. Bon bah salut. Ciao. Salut, à la prochaine, au revoir. C'est pas que je l'avais payé cher, mais c'était un peu sentimental, quoi. Un petit peu comme les trucs qui n'ont pas trop de valeur, puis auxquels on tient. Bas de gamme, le film, avec personne de connu. Mais c'est marrant parce que moi, on m'avait dit qu'il y avait... Non, non, il n'y a personne. Avant de passer aux entrées et aux remontées de la semaine dans ce top 26, le classement des meilleures lettres, c'est l'heure du Totacola Top Quiz. Yeah. C'est pas grave, le jingle devait partir, il n'est pas parti, ce sont les inconvénients du direct, c'est pas grave. De toute façon, c'est tout truqué alors. Il y a des gens qui ont leur intérêt là-dedans et on les connaît bien, ces gens. Le Totacola Top Quiz. Le Totacola Top Quiz, donc... Top 26. Aujourd'hui, donc, le Totatola Cop Quiz, il s'agit de reconnaître qui est caché derrière cette lettre. Regardez bien. C'est assez facile. Pour vos réponses, donc, tapez 3615, top 26. De toute façon, c'est tout du pipeau, on a déjà le nom du gagnant. Le W, très bien placé cette semaine. Le W qui remonte de 3 places et qui se retrouve second avec Wagner. Wagner, compositeur allemand victime du fascisme en 1883. Je veux bien payer ton loyer, mais arrête de faire le con. Louis II de Bavière. Quand il urinait, il avait mal. Il n'avait ni cystite, ni calcul. Ça doit être la bière. Non, il pissait des pépites. Ah, c'est la gloire! Retrouvez sur vos écrans la fantastique aventure de la maladie urinaire de Richard Wagner dans L'or du Rhin. Wagner préserve la couche d'ozone. Récapitulatif de ce top 26 avec tous ces bouleversements. L'alphabet ressemble à ceci: Q, B, W, D, G, T, E, F, H, I, J, L, M, N, O, K, O, P, S, R, U, V, YET. Avec donc pour la 8e semaine consécutive le Q toujours en tête. C'est truqué. C'est truqué parce qu'il n'y a pas que le Q. Il y a aussi les seins. Et la bite. Allez, au revoir. À une main. La nuit. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir jeune homme et bonsoir à tous les Jean-Luc. Bienvenue à tous, bienvenue à Rayon de Soleil, l'émission qui apporte un peu de bonne humeur dans tout le pays et surtout qui fait prendre un sacré coup de vieux à M6. Comme vous
vous le savez, il y a beaucoup de cons en France. Et plus particulièrement dans la Moselle. Et notamment à Sarreguemines, petite bourgade peuplée de connards qui bizarrement se sont concentrés dans Sarreguemines le Vieux, aux alentours de la gare, dans une espèce de triangle dont les côtés seraient la rue de la gare, l'avenue du Général Leclerc et le boulevard de la République. Et au centre de ce triangle, vous ne pouvez pas la rater, se trouve la rue de l'Écluse. Et au 19 de cette rue, il y a une quincaillerie tenue par un certain Monsieur Desmarais, qui a une fille. Et cette fille sort avec un garçon qui joue dans un club de football dont le gardien de but est le fils de Monsieur Schleister, qui tient un café, le joyeux Sarreguemines, dans lequel vient un certain Yurik. Un homme étrange au dire des riverains. Personne ne sait bien de quoi il vit, mais on sait qu'il collectionne les sachets de sucre avec les joueurs de l'équipe de France dessus. Mais il n'a que Aimé Jacquet. Eh bien, Aimé Jacquet, justement, a vécu pendant au moins 3 ans près d'une gare. Comme quoi, c'est de la folie dans un monde de connards. Tout se recoupe. Ah, mais Jacques Schultes, notre réalisateur, vieux monsieur en dépit du bon sens, me fait des grands signes avec sa perruque Louis XIV et sa robe Pompadour pour me signaler que les Lorrains et les Lorraines ont droit au respect comme tout un chacun. Pour une fois, il n'a pas tort. Et donc, comme disait ce vieux briscard de Voltaire, cultivons notre jardin et lâchons donc la grappe aux Lorrains et la touffe aux Lorraines. Bonsoir. Hey, faut y aller. Marina ? Oui ? Devine qui on reçoit ce soir ? Ben, je sais pas. Oh, Michael Jackson, putain, c'est pas vrai. À combien ? Dans la grosse émission. Oh putain, mais j'adore Michael Jackson. Attends. La bohème. Ça voulait dire qu'on a 20 ans. Regarde, Moon Walking. La bohème. Ça voulait dire. Antenne dans une seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre-Demours, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission, avec comme invité Michael Jackson, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval, qu'on appelle aussi Bouffe le Cagueur, Marina Voice, la créatrice émérite de la Charlotte à la Tchunga, Jean-Paul Rouve, la guimauve monégasque au frac fuchsia, Pascal Vincent, qui s'exporte encore mieux que le chocolat, Élise Lavicole, futur ex Madame Helmut Kohl, et enfin Maurice Barthélémy, dont le nom au Mexique est synonyme de cactus érotogène. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui n'utilise que des préservatifs dorés à leur fin, j'ai nommé Raphaël Ezraïl. Bonsoir, merci de m'acclamer, ça me fait du bien, merci d'être venu, merci à vous chers téléspectateurs de nous regarder de plus en plus nombreux, merci à vous les Rumba. Alors écoutez-moi bien, ceci est très important, ce soir j'ai pas tellement envie de présenter cette émission, donc ouais, non j'ai pas envie. Donc je vais me mettre au défi avec un Bill Bokeh à la main. Voilà, je me donne 3 essais. Si je réussis, au bout de 3 essais, à faire entrer cette chose-là dans cette chose-là, je présente pas l'émission. Attention, premier essai. Peut-être je vais présenter l'émission, je sais pas. Deuxième essai. Ah,
peut-être, je vais vraiment présenter l'émission, je sais pas. Troisième et dernier essai. Salut Raphaël. Adios. Voilà, ben je vous ai dit, j'ai réussi, donc je m'en vais. Très ému ce soir. Oui, très émotionnée, Marina. En effet, car nous recevons un invité mirlifique, que oui. dis-je, tout à fait prestidigieux, n'est-ce pas, Pep? Oui, Marina. Mais avant tout, je dois dire que ce soir, ça va être exceptionnel parce qu'on va passer la soirée entière avec le groupe que j'aime le plus du monde entier, les Rumbanana. Duplex de Jean-Mi. Et maintenant, on peut parler de l'invité, Marina. Donc, un invité mirlifique, prestidigieux, Michael Jackson. Allô? Allô? What? You are the driver of Mr. Jackson? Oh là là. Putain, y a pas un mec qui parle anglais là-dedans? Non, non, je parle anglais. Merde. Yes, where are you? Where are you? We are waiting for you. Rue Pierre de Mour Street. Where are you? Vitry-le-François, ils sont à Vitry-le-François. Jamais, ils sont cons, ces Américains, putain. Allô? Yes, but take the autoroute. You don't see the autoroute? Parce que le périphérique Porte d'Ivry, le périphérique Porte d'Ivry. Oh, attends, je raccroche, je vais chier. Avec... Comment ça se passe cette tournée actuellement? Très bien. C'est très bien, très bien. Très bien. Ça vous arrive d'avoir des gens comme ça qui rient? Ouais. Et... Non, ils se marrent pas. Oui, hein, personne ne rit. Personne. Moi, j'étais au Casino de Paris, il y avait quelqu'un qui riait bizarrement. Oui. C'était moi. Avec les gens, ils font... Chut. Non, non, c'est sympa. Puis c'est sympa la tournée parce que les gens qui viennent, c'est vraiment une fête la tournée pour moi. C'est, j'adore aller dans, déjà dans les provinces. Mais vous avez jamais arrêté de tourner parce que même lorsque vous étiez chez Michel... Qui est gentil. Ah, très gentil. Qui est gentil. Michel. Si tu nous regardes, on sait que tu es gentil. oui, oui, c'est vrai, on, faisait, on a toujours fait du spectacle. Vous avez toujours été sur scène. Et toi, tu as même fait de la mise en scène. Oui. Oui, mais pour des trucs moins rigolos. Bah, j'avais mis en scène La Cantatrice Chauve, qui est une de mes pièces fétiches. Je m'étais bien éclatée. Moi, j'adore ça, faire de la mise en scène. J'aimerais bien en faire plus. Mais là, le spectacle, c'est pas vous qui avez mis en scène. Non, c'est Agnès Bourri qui a mis en scène, qu'on aime beaucoup. Et... Avec qui vous travaillez depuis longtemps? Depuis ce spectacle. Non, deux ans, mais avec qui je pense qu'on va travailler. D'accord. Et l'idée comme ça d'écrire un spectacle que pour vous deux, ça vous a donné envie d'écrire peut-être une pièce ou à passer à des choses... Oui, moi j'ai des idées de pièces. T'as des idées de pièces? Oui, oui. Ouais. Des idées de pièces avec Laurent autour de l'imitation et puis des pièces de théâtre, quoi. Alors, excusez-moi, c'est une lettre de James Cameron de Los Angeles. Oui. C'est du vrai courrier. Hein, oui, bien sûr. Et on voit, il y a le pli de l'enveloppe. Le pli et tout. Oui, oui. Non, parce qu'on les retape parce que James Cameron, il écrit comme une cochonne. Ah oui, je sais. Il dit, mon film Titanic marche hyper bien en France, mais pourriez-vous faire un sketch sur le film? Ça me ferait de la promo déguisée. Non, James, nous ne mangeons pas de ce pain-là à la grosse émission. Nous mangeons de la baguette baguépi. Baguépi, oh oui, oh oui. Tout de suite, un instantané de sketch qui n'a rien à voir avec le Titanic. Élise vit seule comme une bouse de vache dans un champ lorsque les vaches sont rentrées à l'étable. Alors, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien car elle cherche l'homme de sa vie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Pierre Francis, 29 ans, sportif aimant le sport. Hello. Vous êtes Élise? Oui. Enchantée. Enchantée.
Spaghetti? Oui, volontiers. Garçon? Ça va. Deux spaghettis. Ah si, dos pasta, si. Grazie. C'est bien, vous m'avez reconnu tout de suite. C'était une bonne idée de mettre une culotte sur ma tête pour que vous me reconnaissiez. Oui. Vous auriez pu mettre aussi un chapeau rouge aussi. Mais c'est vrai, cette culotte, c'est une bonne idée. Je vous remercie. Vous devriez remettre votre culotte sur vos fesses. Vous allez avoir froid aux fesses. Oui, vous avez raison. Pasta, pasta! Bon appétit! Grazie, grazie mille. J'ai commencé à avoir un peu froid aux fesses. Alors comme ça, vous avez un yacht? Ouais. Avec un spi, trois voiles, un phoque. Waouh. J'ai aussi des palmes, un masque. Un tuba? Non. Mais j'ai un scuba, double bouteille avec oxygène liquide liquéfié. Et vous avez un cheval? Ouais. Non. Non, c'est pas vrai. Pardon. Je suis tellement ravie de rencontrer un homme jeune et sportif. Et beau. Et beau. J'ai passé des années avec un vieux type de 70 ans. Oh, quelle idée. C'était mon père. Ah. Vous n'avez jamais connu d'autre homme? Non, je suis plus celle. Plus pour longtemps. Je vous aime. Marions-nous. Faisons 4 enfants. 5. 6. Pas mieux. Oh, comme la vie est belle à certains moments de la vie. Je ressens des palpitations. Vous êtes tout rouge. Non. Oh, j'ai enfin rencontré l'homme de ma vie. Ouais, mais s'il est décédé, moi je me marie pas avec lui, hein. Des propositions, ça a dû pleuvoir, non, de rôles, de choses. Oui, avec quelques-unes, mais bon, d'une part, on était assez pris parce qu'on faisait Michel Drucker. Vous dormez, puis, là. Dormez. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu la tournée, et puis oui, j'attends plutôt ce que j'ai lu, c'était pas forcément ce que tu avais envie de faire. Oui, ou ça accordait pas, non. Et si on proposait David Lansky Oui, mais il faut que je me fasse, que je me mette du cola dans les lèvres, comment on appelle ça, du cola argol, pour pouvoir jouer David Lansky. C'est toi qui fais la première phrase de David Lansky, non? Non, c'était dans. Il y avait un film qui s'appelait Terminus avec Johnny. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Il y avait au début, il était comme ça dans une prison. Il était au mitard, au tru. Il était au tru. Au nuf. Il était au nuf. Et la fille arrive et lui dit vous appelez comment? Il se retourne, il fait c'est une bonne question. Monsieur Mérinos de Paris nous écrit Mérinos, 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 Mérinos. Nanana, nanana. Voilà, tout de suite un débat avec une bonne niterie. Le droit de pas savoir. Un magazine d'information proposé par la rédaction des Robin des Bois. Tu peux le mettre en plus gros, Robin des Bois? Non. Bon, c'est pas grave. Présenté par Charles Schumacher. Bonsoir. Ce soir, le droit de pas savoir vous propose une interview exclusive de l'assassin présumé de John Fitzgerald Kennedy. J'ai nommé Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald, bonsoir. Bonsoir. Alors, Lee Harvey Oswald, tout le monde vous croyait mort, mais vous êtes vivant. Et c'est pour le droit de pas savoir que vous avez accepté de parler, et nous vous en remercions. Donc, Lee Harvey Oswald, vous êtes né le jour de votre naissance. Vous avez mis
exactement 5 ans pour atteindre l'âge de 5 ans. Et c'est à 5 ans que vous intégrez le corps des Marines, où vous devenez donc le plus jeune Marines des États-Unis. C'est dur, votre costume est trop grand et vous flottez dans vos bottes, mais vous vous accrochez en vous mettant à la couture. Sorti de l'école militaire, séduit par la chanson de Gilbert Bécaud, Nathalie, vous partez pour Moscou. Ne trouvant pas Nathalie, vous vous réfugiez en larmes dans les bureaux du KGB. Et puis après, c'est l'escalade, la varap, les stages avec Edlinger au Mont Ventoux. Voilà. Et puis ensuite, c'est la descente, la spéléologie. Mais votre pays vous manque et vous décidez de rentrer votre chemise dans votre pantalon. Après, je passe un père aimant et nous vous retrouvons le jour J à Dallas, jour de l'assassinat de JFK. Alors, Lee Harvey Oswald. Ma question sera simple, directe et sans détour ni virage. Avez-vous le à Dallas tué mortellement John Fitzgerald Kennedy? Je n'ai pas envie de répondre à cette question. C'est votre droit. C'était le droit de pas savoir. Bonsoir. Donc tout de suite, une lettre de Rudolfo de Oslo. Ouais, super. C'est-à-dire que les lettres sont totalement vraies, bien d'accord, sûr. Ouais. Il me dit, on ne parle pas assez de tribunal dans votre émission. Les Robin des Bois sont-ils capables de rester sérieux au moins 2 minutes à la barre juste pour voir? Écoute, on fait ce qu'on peut. Alors pour toi, voici un instant de palais de justice. Peut-être sérieux, peut-être pas sérieux. En tout cas, un instantané de palais de justice. Peut-être pas drôle. Faites-moi confiance, Verdier, tout va bien se passer, il n'y a rien contre vous, je viens de consulter votre dossier, il est vide. C'est pas à vous, ça? Ah oui, c'est votre dossier. Aïe, 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 oui, c'est embêtant. Bon, écoutez-moi, Verdier, faites-moi confiance, je ne suis pas née de la dernière grêle. Pour obtenir les circonstances atténuantes, et c'est la seule chose à faire, nous allons plaider coupable. Ah bon? Et on ne peut pas plaider innocent? Écoutez-moi, Verdier, je suis avocat depuis l'âge de 3 ans, je sais ce que je dis. Plus on va plaider coupable, plus vous risquez de paraître innocent. Bon, ben, vu sous cet angle, Il n'y a pas d'angle dans le beefsteak. Oh, mais je plaisante, Verdier, oh. Ça va, détendez-vous. Si vous êtes crispé comme ça, ça va foutre une sale ambiance. Messieurs, dames, la cour. Asseyez-vous. J'étais avec Michel. Maître, on a dit sérieux. Merci. Je déclare la séance ouverte. Greffier, veuillez lire l'acte d'accusation, s'il vous plaît. Monsieur Verdier, 6 juin, est accusé d'avoir tué par balle Saturnin le canard à l'aide d'un marteau coupant. Très bien. La parole est à la défense. Monsieur le juge, monsieur le greffier, monsieur l'autre avocat, messieurs, dames, les jurés, papa, maman, mes frères et mes sœurs. Maîtresse, vous avez entendu la lettre, on a dit sérieux. Monsieur le juge, j'irai droit au gardien de but. Mon client n'a pas eu la vie facile. Une mère... entraîneur, un père, entraîneuse, une naissance ratée, une enfance passée à regarder un mur. Ouais, non, oh. Il souffre, le petit Jacques. Je m'appelle Christian. Qui plus est. Il souffre, le petit Christian, puis vient l'adolescence, la mauvaise haleine, un peu de poil au cul, et c'est l'escalade. Objection!
Votre honneur, non. Nous vous écoutons, maître. Non. La mauvaise haleine est pas au cul, c'est pour moi, ça. Vous verrez ça tout à l'heure. Bon. Maîtresse. C'est l'escalade vers la chute libre. Mon client rencontre Saturnin, le petit canard, au début tous. Oui, allô. Oui. C'est pour vous, maître, servez de charrette. C'est une plaisanterie ? Ah non, c'est sérieux, servez de charrette. J'en doute. Oh, bonjour, monsieur le ministre. Mais la clé est cassée ? Mettez de la vaseline. Bah, de la crème à cul, je n'en sais rien. Au revoir, monsieur le président. Excusez-moi, maître, c'est à vous. Mon client rencontre Saturnin, le petit canard. Au début, tout se passe bien, et puis un jour, c'est le drame. Ah. Mon client se saisit d'un marteau, il frappe Saturnin à la tête, Saturnin meurt. Mon client est coupable. Coupable ! Bravo. Hey ! Non, ça suffit ! Merci, maîtresse, vous pouvez vous asseoir. Maître, l'accusation veut-elle intervenir ? Monsieur le président, maîtresse, Jacques Verdier, Christian Jacques, je sais pas, greffier, papa, maman, pourquoi tu m'as laissé pisser au lit pendant 47 ans ? Maître, on a dit sérieux ! Monsieur le président, je n'ai rien à rajouter pour la simple raison que l'avocat a tout dit. Très bien. Maîtresse. Vous dites que votre client est coupable, mais l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Ah, c'est normal, c'est moi qui l'ai. Oh ! Attendez, vous croyez pas que vous en faites un peu trop, là ? Et oh, ça va, Verdier, j'ai le juge dans ma poche. Très intéressant, ça. L'accusation, vous voulez rajouter quelque chose ? Pas mieux. J'ai peut-être un stylo, là, si vous voulez, ou... Non, ça suffit, ça suffit. Bon. Accusé, levez-vous. Monsieur Verdier. C'est lui ! Monsieur Verdier, reconnaissez-vous les faits ? Reconnaissez-vous les faits ? Non, je ne reconnais pas les faits. Attends, qu'est-ce que c'est ça ? On a dit sérieux, sortez ! Oh non, là, on s'amusait bien. Non, sortez ! C'était qui ? Je repose la question, monsieur. Maître, voulez-vous qu'on relise la lettre ? Ah oui, c'est vrai. Oui, non, je me rappelle. Très bien. Monsieur Verdier, reconnaissez-vous les faits ? Eh bien... Oui, j'ai tout coupable. Attends, tu le fais trop bien. Merci. Elle le fait bien. Elle le fait super bien. Tu fais vraiment bien. C'est un micro. C'est génial. Bon. Non, oh là, j'ai dit sérieux. Après un examen des faits de l'arme du crime et compte tenu du fait que l'accusé reconnaît les faits... Vous ne me demandez pas si je veux rajouter quelque chose ? Non, je ne vous le demande pas, non. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, monsieur le président. Je ne m'en rappelle plus. Très bien, on ne va pas discuter 3 jours. Je condamne monsieur Verdier à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de ceinture de sécurité de 57 ans. Alors, c'est une plaisanterie, quoi. C'est une galéjade ou quelque chose. Alors, Verdier, satisfait ? Ben non, pas très... Non. On préfère appel. Ah ouais, on pourrait faire appel le 18 juin. L'appel du 18 juin. Oh là là, mais je plaisante, Verdier. Écoutez, franchement, on a eu beaucoup de chance, vous risquez la peine de mort. Hein ? Ben, la peine de mort n'existe plus, alors. Eh ben, c'est bien ce que je dis, on a beaucoup de chance. Bon, allez, je vous emmène boire un verre. Oh, pardon. Excusez-moi. Allez, sans rancune. Dis donc, Aurélie, c'est toi ou c'est moi qui vais chercher les enfants ? Mais enfin, Jacqueline, on n'en a pas, ils sont décédés. Sérieux ? Sérieux ! Une petite anecdote. Lors de l'avant-première de Germinal, tu t'es fait poursuivre par un fan. Oui, effectivement. Donc, l'avant-première de Germinal, juste avant que ça commence, 2 minutes avant, petite envie pressante, je descends aux toilettes, c'était donc en banlieue. Ta-ta-ta-ta-ta, je descends aux toilettes, porte battante, j'ouvre une porte. Au moment de la fermer, il y a un type qui rentre dedans. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît ? Je dis, mais attendez, je. Ouais, ok, j'attends. Je dis, mais moi, je vais faire mes besoins là. Ouais, c'est bon, j'attends. Alors je dis, mais tu peux sortir ? Non, je bouge pas. J'ai peur que vous partiez. Je dis, attends, il y a 2 mètres carrés, je vais pas partir. Non, mais c'est bon, faites vos trucs. Je dis, non, attends, heureusement, je vais pas chier. Enfin, toi, c'est des gros délires. Donc j'ai fait mes trucs, j'étais jusqu'au bout, j'ai pissé. Le gars était là, il attendait. J'ai enfermé mon machin, hop. Je dis, je me lave les mains. Non, c'est bon. J'ai signé son truc, il est parti. Super, hein, vraiment sympa. Et je suis resté là, au téléphone, j'ai dit, mais
jusqu'où ils vont aller, jusqu'où ils vont me poursuivre. Et le type, je l'ai revu à la fin de la projection, sympa, vraiment, vous ne m'avez pas jeté, vous êtes un mec super sympa, aussi bien drôle dans la vie que sur scène. Je dis, mais pourquoi ? Parce que, comme ça, vous étiez honnête, vous avez pu me refouler. Je dis, bah ouais. Je dis, mais pourquoi tu dis que je suis drôle dans la vie, pas drôle dans la vie ? Pourquoi tu me dis ces choses-là ? Il me dit, bah non, vous êtes plus drôle dans la vie que sur scène, je trouve. Parce que, pourquoi ? Bah parce que vous avez uriné devant moi. Enfin, espèce de délire. Et pour conclure, je dis, mais toi, t'es plus con dans la vie. Puis je l'ai laissé comme ça, quoi. Tout de suite, une lettre de Fernando d'Oslo pour vous dire qu'elles sont vraies. Monsieur, je trouve que vous faites la part trop belle au tribunal. Il n'y a jamais de magicien à poil. Que comptez-vous faire avant que je vous attaque en justice ? Fernando, tu as raison, mais nous avons Houdin le magicien, qui est à poil, mais qui n'a pas de poil. Tout de suite, de la magie, un instantané de magie avec un PD. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Bonsoir Dominique, bonsoir Pascal. Est-ce que vous n'êtes pas du tout cousin avec Georges Éloi ? Pas du tout. Non. Ce n'est pas du tout la même famille. D'accord. Mais c'est le même fournisseur de pantalons. C'est le fils caché de Claude François. Voilà, c'est un hybride entre Claude François et une murène. Il n'a pour se tenir compagnie qu'une tortue, deux canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer très souvent, il fait le marché et la cuisine. Mais son vrai métier, c'est la nuit qu'il l'exerce, artiste. Mesdames et messieurs, je veux un tonnerre d'applaudissements pour celui qui vit seul avec maman, Houdin le magicien. Nous propose ce soir le tour de l'envol. Houdin va d'abord faire voler cette colombe assoupie. Attention, roulement de tambour. Dans les airs, il va survoler la salle et se poser comme un oiseau gracieux. Attention, un peu de silence, tambour. Houdin, viens mon ange, viens mon furet, Houdin, Houdin. C'est une lettre d'Hervé de Roubaix qui me dit « Cher Dominique, j'ai recueilli Hervé Chiabodo après son départ de TF1, mais maintenant je ne sais plus quoi en faire, il a grossi. Connais-tu une adresse où je pourrais le garder, sinon je serais obligé de le faire piquer ?» Hervé, malheureusement, on ne peut pas l'accueillir, nous ne pouvons pas accueillir un animal de plus ici. Ce qu'on peut te proposer, c'est de te retourner vers la STA, la Société des Tricheurs Anonymes. Peut-être pourront-ils faire quelque chose pour toi. Tout de suite, un instantané de la vie des animaux. Le hamster, nom masculin, petit mammifère rongeur au pelage roux et au ventre blanc, commun à l'est de l'Europe, qui creuse des terriers compliqués où il amasse des provisions. Le hamster aime grignoter avec ses petites mimines des graines de toutes sortes, qu'il met en grande quantité dans sa bouche avant de les mâchoter durant de longs instants. Le hamster a un odorat surdéveloppé. Il est capable de renifler la moindre odeur durant de longues heures.
quand il ne dort pas, le hamster est joueur. Son jeu favori est la roue. La roue, cylindre cylindrique aux formes arrondies, dans laquelle le hamster aime à se défouler durant de longues heures. Ne confondez pas le hamster et le cochon d'Inde. Car si le hamster est originaire d'Europe de l'Est, le cochon d'Inde vient d'Inde. Ils sont proches, mais ils ne se comprennent pas du tout. D'où l'expression « s'entendre comme deux cochons d'Inde en foire ». La semaine prochaine, nous étudierons la vie des balles de ping-pong. À ne pas confondre avec la vie des balles de tennis de table. Au revoir les piou-piou. Comment ça se passe de comment ça s'est passé votre rencontre à tous les deux? C'est un ami en commun, qu'on a d'ailleurs en commun tous ensemble, qui s'appelle Jean-Luc Delarue, qui nous a présenté, c'était dans le sud de la France, c'était il y a quelques années, il y a 6 ans maintenant, il y a 6 ans. Et voilà, et on a tout de suite sympathisé avec Philou, et ensuite de fil en aiguille, on a bossé ensemble aux côtés de Jean-Luc sur Europe 1, puis ensuite à Canal. Et à Canal, vous bossiez déjà tous les deux sur C'est pas le 20h, mais toi en tant que rédacteur en chef. Rédacteur chef, Alexandre était présenté, voilà. Animé l'émission. Et parce que toi, tu viens vraiment directement du journalisme, alors que toi, tu viens plutôt de la déconne. C'est vrai, plus de l'animation, ouais. De l'animation. De la radio, ouais. De la radio, ouais. Avec Arthur. Fun, Europe 2, ensuite Europe 1, ensuite La Météo le midi, C'est pas le 20h, et ensuite Nulle part ailleurs, voilà. Pour des chroniques, et La Grande Famille. Et La Grande Famille. Et La Grande Famille, ça a été vraiment un début tous les deux, et un couple auquel on s'attendait pas du tout. Quoi. Enfin, c'est vrai. À part de Greffe. À part de Greffe, personne, mais ne s'attendait, oui, personne ne s'y attendait. C'est à peu près le seul qui y croyait. Ouais, et il a bien fait y croire, parce que... J'ai encore les cicatrices des couteaux qu'on a pu avoir dans le dos au début, et il y a que lui qui a cru, il a poussé à la roue pour que ça se fasse. Et ça a tenu deux ans, très bien. Ça a tenu deux ans, et puis après... Et on a su pourquoi les femmes avaient des règles douloureuses. J'ai une coupe de cheveux excentriques. Qui couchait avec sa mère, tout ça, voilà, ouais, des trucs qui nous passionnaient le midi. Voilà, donc on se demandait si on allait refaire une troisième année de J'ai du poil au genou, et puis on nous a proposé de faire la première partie du Paris. Voilà, et depuis, Bonaldi a disparu. En tout cas, il dit tout va bien pour lui. Oui, tout va bien. Une lettre d'Hillary Clinton de Washington en Amérique du Nord qui me dit « Cher président, vous êtes au courant des problèmes de mon mari actuellement. Comment faites-vous pour éviter ces problèmes sexuels au bureau ?» Hillary, j'ai une devise qui s'applique à toute la société. « No zob in job ». Ce qui veut dire « pas de sexe, no zob ». In job, au travail. Nous n'avons pas de sexe au travail. Rien, rien, rien. On se fait sucer une fois de temps en temps, mais c'est... Tout de suite, un des plus beaux personnages joués par Pierre-François Martin Laval, celui que vous aimez tant, Monsieur Marcadet. Tout de suite, un instantané de Monsieur Marcadet. Ça va ? Vous me reconnaissez, je suis votre voisin, Monsieur Marcadet. Monsieur Marcadet. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne vous entends pas, il pleut ? Non, 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 non. Qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Marcadet ? Oui, je sais, il est 4h du matin, je sais, mais... Cette fois, j'ai quelque chose à vous dire d'important. Je peux me permettre ? Je vous en prie, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Marcadet ? Il se passe que... Tu restes là, tranquille, Bijou. Il se passe que j'ai un gros problème. Oh, merde. Et quel est-il, ce problème? Oh, comme vous parlez bien. Bon, j'aimerais vous poser une question. Je vous écoute. Que voici. Quelle est la différence entre un compatible PC et un Macintosh? C'est sûr que ça valait le coup de me réveiller à 4h du matin. Disons que c'est dans la facilité d'utilisation. Merci, je retiens cette idée. Je... Oh là là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais c'est affreux ! Alors, autre question. Oui. Quelle est la différence entre un disque dur et la RAM ?
La RAM, c'est la mémoire vive, le disque dur, c'est la mémoire morte. Oh, elle est morte, la pauvre pitchoune. Ah, mais c'est pas possible, ça, hein? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle est à l'ombre. Mire. Autre question. Alors, puis-je prendre un bain chez vous? Quoi? Ah, vous êtes sourd? Je vous demande comment marche un ordinateur. Alors, c'est un peu compliqué. Disons qu'il faut commencer par l'allumer. Et c'est important de l'allumer? Vous êtes pas bien, là, hein? Ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là, on va se mettre là-bas. Alors, autre question. L'achat de mon ordinateur doit-il être effectué par vous-même? Non. Celle-là, vous me l'avez fait la semaine dernière, monsieur Marcadet. Autre question. Bon, alors, autre... Oh là là, mais il y a plein de gens qui nous regardent. Attendez, monsieur Marcadet, ça va pas être possible, ça. Hein? On va laisser possible. Ça comme ça, allez. Bon, ça suffit. Alors, autre question. Oui. Le possesseur d'un ordinateur doit-il être aussi possesseur d'une machine à laver, le linge? Et pourquoi? Ah non, c'est moi qui pose les questions. Vous avez vu quelle heure il est? Bien, monsieur Marcadet, faites-moi plaisir, sortez. Parfait! Non, on va passer par la fenêtre. Magnifique, hein? Allez, au revoir, monsieur Marcadet. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Marcadet. Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu. Oui. Alors, j'ai une dernière question. C'est un convertible, hein? Oui. Hop là. Oh là là, il est très poussiéreux. Ah bon, on va le laisser comme ça. Bonjour, monsieur. Alors, dernière question. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des bêtes répugnantes dehors qui rampent et qui grattent? Non, ça se saurait. Ça se saurait, c'est tout ce que... Bon. Et si ça se saurait pas, est-ce que je pourrais prendre un bain chez vous? Quoi? Je vous aime. Non mais vous êtes fou, vous avez entendu ce que vous venez de dire? Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit que vous m'aimiez et que vous vouliez prendre un bain. Non mais ça va pas, quel plaisantin! Sortez d'ici au lieu de me poser des questions à 4h du matin, des insanités pareilles! Ça tire! Michael Kull est né dans une émission Coubelle. Qui s'appelle Nulle part ailleurs, on peut le dire, et c'était une rubrique dans, c'est toujours une rubrique d'ailleurs, dans ce que tu présentes, qui s'appelle Qui s'appelle. Non mais c'est, en plus c'est pas vrai, c'est faux, voilà, ça commence. Alors pourquoi c'est-à-dire que Michael Kull n'est pas né dans Nulle part ailleurs, c'est-à-dire il y a un an de décalage. Michael Kull est né dans une poubelle, dans Les Nouveaux. C'était à l'époque, c'est un an avant. Mais ouais, oui, voilà. C'est vrai, c'est même Les Nouveaux, on avait oublié. C'est même avant ça, c'était pour une maquette réalisée par quelqu'un que tu connais bien, oui. Qui s'appelle Azanavicius. Ah oui, mais c'est vrai, Michel. Bien sûr, Michel. Voilà, et il fallait dans la maquette, mais... alors un pilote. C'est vrai, il y avait quelque chose de magnifique avec... il y avait un extrait avec Lionel Abelansky il n'y a pas longtemps, j'ai vu des choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'on n'avait rien du tout et il se farcissait le pape quand même. Donc il fallait inventer quelque chose, parce qu'on ne pouvait pas avoir le pape. D'accord, et vous avez pris Michael Kull. Donc il est né là. Un truc en blanc, machin, c'est là qu'il est né. D'accord. Ensuite, il a sévi donc dans Nulle part ailleurs, jusqu'à en faire un film. C'est de là que t'es parti. Tu es parti un tout petit peu quand même. Oui, un petit peu. Ensuite, on doit lire une lettre qui nous arrive d'Yvette de l'Orne. Yvette me dit, un jour Aimable m'a provoqué en duel à l'accordéon. Je lui ai envoyé le mien en pleine gueule, j'arrive jamais à lire cette lettre. Je vais la lire. Un jour Aimable m'a provoqué en duel à l'accordéon, je lui ai envoyé le mien en pleine gueule, j'ai gagné, que pensez-vous de mon attitude? Yvette, j'adore ce que tu fais, je n'y arriverai jamais. Excusez-moi, c'est pas drôle et j'ai un fou rire. Écoutez, c'est très simple, regardez cet instantané de duel, ce sera beaucoup plus intéressant. Pardon. Monsieur le maire Credeuil,
Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous devez en avoir des plumes. Monsieur de la Tourvelle, je sens dans votre bouche une amertume qui me surprend. Et qu'est-ce qui vous surprend, monsieur de Mercredeuil ? L'amertume n'est pas le propre du citron ? Quoi ? Je vous ai connu plus galant. Oh. On ne badine pas avec l'amour. Oh. Vous ai-je blessé, monsieur de Mercredeuil ? Que nenni, avec vous, j'eusse ri de bon cœur si de votre fessier n'émanait cette mauvaise odeur. Quoi ? Non, c'est une vanne, ça veut dire que tu pues du cul, en fait. L'attaque est vile, monsieur de Mercredeuil. Je reconnais bien votre esprit bas. Et comment préféreriez-vous que l'on eusse dit ? Comme ceci, qu'autant que votre esprit nauséabond et votre kiki. C'en est assez, monsieur de Mercredeuil. Rendez-vous demain à 6h au bois d'hiver galant. Je vous laisse le choix des armes. Fruit. Fruit, j'y serai. Messieurs. L'heure est grave et matinale. Serrez-vous la main. Le duel commencera lorsque j'aurai rejoint le petit sapin. Messieurs, d'un combat à la loyale, je déclare monsieur de Mercredeuil décédé par Mollard. Monsieur de la Tourvelle, veux lui agréer mes salutations les plus distinguées. Ma conclusion. À toute histoire, il faut une chute. Voici la mienne. Chute. Ça a été dur de... Tout le monde va te poser la question, mais je serai peut-être le premier, je suis content. C'était dur de convaincre Gould, tous ces gens-là, de venir tourner dans un film français qui tourne en dérision vraiment les Américains, puisqu'on voit à un moment même le président des États-Unis shooté dans la Bible. Ah ouais, ouais. Mais Victoria Principal, elle, je sais pas, elle avait tellement joué les gentils Pamela pendant des années, qu'elle faire des fucking bitch, machin, etc. Pendant 2 heures, elle était heureuse. Au bout de 20 pages, elle a dit OK. Après, t'as Mickey Rooney, lui, il a même pas lu le scénar, il a dit OK. Non, mais ça le faisait rire en soi de se foutre de la gueule des Américains. Et toi, Elliot Gould, c'est quand même un mec assez subversif qui a fait Mage, qui a fait plein de trucs. Donc quand il a vu un truc aussi cinglé, anti-américain, ça l'a fait rire, il a dit d'accord. Mais c'est les seuls, quoi, parce qu'il y en a plein qui ont dit non, ça va pas, et tout, anti-patriote et tout. Ah oui, il y a des. Finir en Cour suprême. Il y a des acteurs à qui t'as proposé, t'as des noms ? Bah ouais. Bah non, c'est un peu. De toute façon, ils peuvent pas nous regarder, on ne nous regarde pas à Paris. Charlton Heston a dit non.
non. Ah bah, Charlton Heston, c'est un peu normal. C'est comme demander à Goebbels de dire que Hitler est un con. Non, quoi. Mais Charlton Heston a dit non, nous on s'est vachement étonné. Après, bah, attendez, il était pour la vente des armes aux États-Unis, etc. Quand il vient en France, il fait Noël, il fête Noël avec Maigret. Lui. Exactement. Monsieur Dominique, je m'appelle Renette, j'ai 6 ans, je trouve que tu as des yeux de tigre tellement tu me plais. Cependant, je pense profondément que Pouf est un gros trou du cul. Est-ce que tu crois qu'une fois dans sa vie, il pourrait m'étonner, sinon je retourne voir Canal J. Moi, je pense pas que Pouf soit un gros trou du cul, je crois qu'il est très sympa, Pouf, tout de suite, Pouf le cascadeur, alors. Alain, ce soir, Alain, c'est toi qui me dois 1 milliard là. Hein. Je ne suis pas Alain, je suis Mouf, oui. Car j'ai des moufs. Hey, bonsoir. Ce soir, aujourd'hui, je vais vous faire la cascade du crocodile de la peur. Ouais. Alors. Alain, faut que tu prennes un léger accent pour que ça passe. Bonsoir. Voilà. D'abord, en principe, comment ? À chaque fois, tu réponds bonsoir, chaque fois que je te dis. Bonsoir. Voilà. D'abord, je prends un flan. Ah. Ça me fait un crocodile avec des dents. Maintenant, je prends un escabeau. Ça me fait la peur. La cascade du crocodile de la peur, c'est quand je monte en haut de la peur pour sauver ma belle du crocodile qui a des dents. Bonsoir. Excusez-moi, quel est le nom de votre belle Pouf ? Ma belle s'appelle Delphine et je vais la marier. Oh, bah c'est une nouvelle, ça. Je vais le faire, c'est très dangereux. Mais je vais quand même le faire. Mais je vais quand même le faire. D'accord. Je connais ce que je vis ça depuis 2 mois. Ah, Alain, Mouf, à la fin, c'est exactement ce que je voulais faire, le texte. Avec l'accent. On voit ton D'accord. cul, là. On voit ton hein cul. On voit ton cul. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est tu très as... dangereux. C'est... Oui. J'ai un bout de chanson que je t'ai écrit juste avant de venir. D'accord, tu veux la chanter un peu ? Oui, elle est très mauvaise. Allez, vas-y. Mais je vais te la chanter. D'accord. Avant la grosse émission, Dom fait la grosse commission. Il aime bien, ça le détend. Et il le trouve ça marrant. Strophe 2. Pendant la grosse émission, là c'est la relaxation. Il parle à ses invités. Et en plus, il est content. Strophe 3, maintenant suite et fin. Pardon ? Après la grosse émission, il a juste son pantalon. Et comme il aime bien manger, il va faire les commissions. Ouais. Je m'appelle Valentin et je lis là. Ouais. Je m'appelle Valentin et j'ai 10 ans et je te trouve trop fandard. Tu es trop rigolo avec ta fausse barbe et ton faux ventre. Cependant, mes parents, ils sont trop méchants. Ils veulent pas m'emmener voir Titanic et ils m'obligent à faire de la danse classique. Tu veux bien me prendre avec toi dans l'émission ? Je te ferai des blagues en pétant avec mon cul. J'essayais depuis 2 ans et en devenant président de cette chaîne, je pensais qu'on arrêterait de me coller cette image de péteur, de chieur, puis voilà, ça me revient. Tout de suite, un instantané de danse classique, allons-y.
Ambiance émission sans Pouf est une émission perdue. Alors voilà, Pouf le cascadeur. Oh, Pouf. Bonsoir. Vous avez été floué par un ersatz de Pouf. Donc moi j'avais envie d'avoir le vrai Pouf le cascadeur avant de dire au revoir. Je voudrais avoir... Ah non. Bonsoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Rien, tu nous fais une petite cascade improvisée. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire... La cascade des crayons. La cascade. Non, pas celle-là, parce qu'on va garder... Enfin, on va dire au revoir, c'est le moment de dire au revoir de toute façon pratiquement, mais c'est pas grave, parce que j'ai... La cascade des crayons. Reste là. Oui, fais la cascade des crayons, si tu veux. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade des crayons. Alors, je prends un bocal de crayons. Ça me fait des... Crayons. Des jouets. Ouais. Ensuite, je prends un bureau d'une grosse émission. Ouh. Ça me fait un mobilier. Et ensuite, je prends quelqu'un qui fait ah, 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 ah. Ça me fait un nouvel animateur. Voilà. La cascade des crayons, c'est lorsque, pour prouver à ma belle que je ne suis pas si méchant que ça, j'annonce au nouvel amateur... au nouvel animateur, qu'il est le bienvenu dans la grosse émission en rompant les crayons de l'ancien animateur. Comment s'appelle votre belle Pouf? Ma belle s'appelle Marianne. Je ne l'ai jamais dit celui-là. Bon, rompez les rouges là. Et pendant ce temps-là, vas-y, au revoir. Alors, un petit roulement de tambour. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Bravo! Bravo! C'est exactement ce que je voulais faire! Bravo! Voilà, je voudrais remercier un certain nombre de gens qui m'ont aidé pendant ces deux mois, pendant les derniers mois d'être dans cette émission. Alors je vais en oublier certains, mais ne m'en voulez pas parce que tout ça, c'est à cause de Virginie Vopel, mon assistante, qui m'a écrit toutes ces mauvaises blagues. Je dois remercier Benoît Delorme, Jean-Michel, Grégoire, Lazare, c'est ce nom, Sorel Prévost, Cécile Audouin, Virginie Vopel, Charles Delos, Sam Varel, Gwenaël Courtois, Yacine Nordine, Mathieu, Margot, Jamila, Esquive, Valérie Delphine, Judith Charlotte, Marion Chabac, bien sûr, les réalisateurs, Sylvain Bergère, Serge Calfon, Antoine Zodre, Richard Valère, bien sûr, Christian Vidali, tous mes camarades qui ont fait l'honneur d'être là ce soir, merci, et puis continuez à regarder Comédie, à bientôt, merci beaucoup. Vous êtes sur Comédie. À 21h, une heure de déconne comme en 75 avec le petit rapporteur. Oui, il faut un certain Antoine. À 22h, Steve Martin est un pourri au paradis en VF. Waouh! Bah vous voyez que vous pouvez être beau quand vous voulez. Venez. À 23h30, Véronique Esclosette en VO sous-titré. Bracelet tracking device thingies around my ankle. It's not your ankle I'm worried about. À 21h, le petit rapporteur. À 22h, Steve Martin. À 23h30, Véronique Esclosette. Demain soir sur Comédie.